C'est chiant, hein? Aujourd'hui, on se retrouve pour mon setup 2015. J'avais déjà fait un setup en 2014, donc quand j'avais commencé à refaire ma chambre, donc ça date déjà d'un petit bout de temps quand même, on peut le dire. Un an et demi, un truc comme ça. Et vous avez été beaucoup à me demander pendant cette année 2015 et 2014 de me refaire un petit setup de ma chambre, parce que à chaque fois, je postais mes photos et mes vidéos, etc. de ma chambre, un petit peu de toutes mes acquisitions sur Facebook et Twitter, qui sont d'ailleurs dans la description si vous voulez voir. Petite pub. Désolé. Mais avant de commencer, petit message, je tenais juste à vous dire que je ne veux pas de rage dans les commentaires, ni de commentaires haineux. Si je fais ce setup, c'est pas pour me la péter entre guillemets, mais c'est vraiment juste parce que beaucoup de personnes me le demandent chaque jour, avec quoi je fais mes vidéos, avec lesquels logiciels, etc. Donc je vous le fais partager, tout simplement. Alors pour commencer ce super setup, je vais tout simplement vous présenter la chose la plus importante pour faire mes vidéos, ce super blazer. Non allez, sérieux, je vais commencer tout simplement par vous présenter mon Canon 600D, donc c'est un réflexe, rien de bien exceptionnel, je l'ai acheté il y a à peu près un an et quelques. Pour filmer mes vidéos, j'utilise soit l'AverMedia 2, donc ça c'est surtout pour Call of Duty, etc. Donc ça date un petit peu, mais mes anciennes vidéos étaient filmées avec l'AverMedia 2, maintenant j'utilise que pour Call of. Et maintenant j'utilise l'AverMedia LGP Lite. Donc ils sont vraiment très polyvalents. Moi personnellement je préfère le LGP Lite. Donc c'est avec celui-là que je filme tout le temps. Et puis une fois que je pourrais faire des streams, et bah, je streamerai avec celui-là. Donc pour l'instant j'en suis très convaincu. Après la capture de la vidéo, bien sûr, faut passer sur le PC. Et là j'en ai deux. Donc j'ai ma tour, un HP je sais plus quoi. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Il y a un Core i7 dedans, etc. Il y a quelques petits trucs sympathiques. Avec mes deux écrans Acer, je sais plus les références, mais bon, ça c'est pas vraiment un gros problème, ils font 24 pouces chacun, c'est tout ce que je peux vous dire. Et j'ai aussi mon ordinateur portable, donc un Asus Republic of Gamer, qui est un Core i7 aussi, avec une carte graphique GTX 660 à mon souvenir, et un SSD aussi, de souvenir, hein. Après, je n'ai pas envie de monter sur mes grands chevaux. Ensuite, en termes de console, j'ai deux Xbox. Pourquoi deux Xbox? Parce que tout simplement j'ai la Xbox 360 qui va sur la grande télé, que je vais vous faire voir ensuite. Donc la petite Xbox 360 qui va sur la grande télé pour jouer aux jeux du style GTA, Forza, etc. Enfin tous les jeux, skate, etc. Pour tous les jeux. Et j'ai l'autre Xbox, donc l'ancienne qui faisait pas mal de bruit, etc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté la dernière Xbox 360. La Xbox 360 qui est là-bas, qui va sur les petits écrans pour jouer à Call of Duty, parce que je peux pas jouer sur un grand écran, donc voilà, au lieu de l'acheter, bah, je la garde pour les autres écrans. Ensuite, il y a la Xbox One qui est un gros rectangle, on peut le dire. Et pour finir, la petite PS4 blanche qui va bien, qui est en hauteur, qui fait la belle, voilà, mais qui ne sert jamais. Et ne surtout pas oublier la meilleure des consoles, cette superbe 2DS qui me sert à jouer à Pokémon, oui monsieur, Pokémon Y. Tiens d'ailleurs j'ai oublié une petite partie. Ouais non, ça va être long. Bon voilà pour les consoles, maintenant on va enchaîner sur les micros, parce que beaucoup de personnes me demandent ce que j'ai comme micro ou comme casque, c'est d'ailleurs ce qui revient le plus souvent. Alors, comme micro pour enregistrer ma voix, j'ai le Blue Yeti qui est sur sa perche Rode PSA1. Pour le casque, j'ai un Astro A40. A côté de ça, j'avais acheté un petit Turtle Beach pour la Xbox One, mais qui est plutôt nul à chier, on peut le dire. Donc je garde le Astro A40 tout le temps, voilà. J'ai aussi de superbes petits écouteurs, donc j'en ai trois. Les Apple, les Rocat et les Sennheiser. Donc ils sont tous... Franchement, ils sont tous aussi bien les uns que les autres, donc ils sont géniaux. Pourquoi je vous parle des écouteurs? Parce que vous le voyez souvent dans mes face commentaires, j'utilise jamais de casque parce que j'aime pas la gueule que ça me fait, j'ai l'impression d'être le petit bonhomme dans la soupe aux choux. Et donc j'utilise des écouteurs, voilà. Pour finir avec le côté micro, casque, etc., j'ai le Mixamp, c'était lequel? C'était le 2012 ou 2013, ça fait déjà vraiment longtemps que je l'ai, donc ça doit être le 2012, un truc comme ça. Qui sert à amplifier les sons du jeu et la voix, etc. Donc, ça c'est vraiment un outil indispensable qui est vraiment génial. Voilà, j'ai à peu près présenté tout ce qu'il me fallait pour mes vidéos. Maintenant je vais vous faire un rapide tour de ma chambre en vous présentant un petit peu tout ce que j'ai dedans, mes petites passions, etc. Voilà, voilà. Donc là vous voyez une petite panoramique de la chambre avec
cette télé qui me sert à m'endormir. Donc là, vous avez tous mes jeux. Vous voyez d'ailleurs un seul jeu de PS3 et 0 de PS4. On peut voir que je suis plutôt un joueur Xbox. Et là, je vais vous présenter rapidement ma petite étagère où je collectionne quelques petits trucs sympathiques. Là, vous pouvez voir Forza Horizon YCF. Là, Assassin's Creed. D'ailleurs, vous n'allez pas être déçu du voyage. Il va y avoir beaucoup d'Assassin's Creed. Watch Dogs. Ma petite collection de montres parce que je suis un grand fan des montres. Ici, vous pouvez voir Mafia 2 qui est génial. Encore du Assassin's Creed. Là, Lord of the Ring. Et encore Assassin's Creed. Ici, encore Assassin's Creed. Ici, vous voyez Far Cry 4, la petite statuette, avec des petits objets derrière. Et là, ça c'est vraiment l'un de mes endroits préférés. La petite tasse Game of Thrones avec les autres tasses YouTube et l'autre... je sais plus comment ça s'appelle, le clap YouTube, un truc que je kiffe trop. Et là, c'est le Graal de ma chambre. C'est le truc dont je suis le plus fier. Mon trophée YouTube pour mes 5000 abonnés sur ma chaîne principale. Et je vais peut-être en avoir un second grâce à la chaîne secondaire qui arrive bientôt à 100 000 abonnés. Je sais pas si je peux en avoir un autre parce que vu que c'est ma chaîne secondaire, mais on verra bien. En tout cas, ça me ferait vraiment kiffer d'en avoir deux. Ici, vous avez le petit mode télé avec toutes les consoles. Donc vous voyez la Xbox One, la Xbox 360 et la PS3. Et là, la PS4 en blanc avec le gros home cinéma pour mettre du son lourd. Le petit mixeur qui se cache avec la Livebox. Là, je vous présente ma collection de poussière. Donc j'en ai vraiment pas mal. Tous aussi différentes les unes que les autres. Je sais que les fans d'Assassin's Creed vont vouloir me tuer parce que vous voyez toutes les petites figurines d'Assassin's Creed. Et oui, mademoiselle. On a la grande télé de 120 cm. Un truc comme ça. Ouais, c'est 120. Avec Mortal Kombat qui va bientôt sortir. Oui, putain, je suis trop pressé. Et le petit Forza Horizon. Tout, 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 tout. Finlande. Putain, c'est un bordel. Donc ça, c'est le PC HP, donc ma tour. Coucou. Et la petite manette, parce que je joue rarement au clavier souris sur PC, voilà. Ça, c'est le petit clavier ROCAT. Petit, non, je rigole. Il est vraiment énorme, on peut changer la couleur des touches et tout, c'est extra. Et là, la petite ROCAT X-Telecom qui fait comme d'habitude, qui s'ambiance toute seule en changeant de couleur. Voilà, c'est disco chez elle. Une magnifique poubelle de type poubelle et de marque poubelle. Génial, magnifique. Du grand art. La petite Xbox 360 en mode système D, on peut le dire. Regardez, il y a le disque dur qui trimballe, voilà. C'est génial. En fait, j'ai mis ce disque dur, c'est le gros disque dur de l'autre Xbox. Voilà, j'ai changé les disques durs. Ça m'évitait de refaire les mises à jour et tout. Et là, le superbe casque qui est nul. Ma petite lampe que j'adore. Et ça, c'est la petite batte de baseball Impact qui m'a été offerte par Impact et que j'accrocherai bientôt à côté de mon trophée YouTube parce qu'elle est vraiment magnifique. Et là, c'est ce qu'il y avait dans le sac à côté, ma petite carabine à plomb. D'ailleurs, je ferai sans doute des vidéos avec lorsque j'aurai réussi à acheter mon arbalète sur ma chaîne secondaire. De petits trucs sympathiques, voilà, voilà. Et je voulais juste terminer en vous présentant vite fait ce magnifique bijou. Parce que je suis passionné d'astronomie depuis très longtemps. Et je me suis donc offert ce petit télescope. Et voilà, cette vidéo setup est terminée. J'espère en tout cas que la découverte de mon antre vous aura fait plaisir. Et pas de jeu de mots dégueulasse au passage. Moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou en likant la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.